Bonjour à tous, ici c'est Nikosov et c'est la vidéo routier numéro 7. Allez, c'est parti! Alors les amis, ici c'est Nikosov et aujourd'hui c'est la vie du routier numéro 7. On s'était quitté ici, donc on va aller dormir si on regarde notre jauge de fatigue. Aujourd'hui on va faire plein de petites choses très intéressantes les unes comme les autres. Et déjà, si vous avez remarqué, ma voix a changé. Enfin a changé, la qualité du son a changé, je sais pas si elle est meilleure ou pas, mais en tout cas... J'ai changé de casque parce que le mien avait un faux contact au niveau de la baffe, au niveau du son, donc c'était le côté droit du casque. Donc du coup, je me suis acheté un nouveau casque. J'ai décidé d'aller dans du de gamme, du casque de gamer, parce que mon ancien casque c'était juste un Plantronix banal à 30€, vous trouvez ça chez Caro, c'est fin de l'histoire. Qui avait une très bonne qualité, il m'avait coûté 36€, un truc comme ça, bon, enfin bref, et lui il m'a coûté 60€ d'entrée de gamme. C'est un GX Cavimanus avec option vibration et tout ça, donc c'est assez craqué. J'aurais dû partir dans l'autre sens, c'est pas grave. Allez, donc là qu'est-ce qu'on va faire? Bah, c'est simple, on va aller ici, au machin de réparation, pour histoire d'aller dormir. Ça nous fait de la route de découverte. Voilà, donc plusieurs petites choses à dire dans votre vie. Dans cette vidéo, je vous en parlerai tout de suite après, une fois qu'on sera sur la route, sur l'autoroute, pour une nouvelle mission. Et puis voilà. J'ai eu de nombreuses réactions. La vie du routier numéro 5 a actuellement 2000 vues. La dernière fois que j'ai fait une vidéo, elle avait 700 vues. Et puis là, c'est complètement craqué. Bah, qu'est-ce que vous voulez hein? C'est complètement gratuit. Je dis pas non face à ces nombres de vues conséquents. Et ce qui est bizarre, c'est que ça n'arrive que sur cette vidéo et pas une autre. Bon, c'est compréhensible. Enfin bref. Eh ben, on va dormir. Je vous dis bonne nuit et à tout de suite. Voilà, donc on parle de Géraldine. Voilà, voilà, on enlève ça, on fait échappe. On va prendre une offre de fret. Donc on est de Metz et on va essayer de partir dans le sud si c'est possible. Moi. Ça vous tente un petit trajet de sucre? Allez, c'est assez court. C'est assez court quand même. Hein. Et bon, c'est ce qu'on va faire. Ça change un peu que de transporter toujours les mêmes choses. Donc allez, c'est parti. Donc là, on va passer les frontières, pas du côté de la Manche, mais de l'autre côté. Toujours en compagnie de notre Renault Premium. Voilà, voilà. Donc on va chercher notre morgue à 2 km d'ici. Voilà. Go, go, go. Allez, come on. Je sais, je suis en dehors des limites de vitesse, mais fuck la police. Allez, hop, hop, hop. Voilà, donc plein de choses à vous dire. Est-ce que déjà vous êtes au courant qu'il y aura un DLC à Euro Truck Simulator? Je vous en parlerai de ça, du contenu qui contient tout de suite après. Pour l'instant, on va se concentrer pour prendre la remorque, mais bon, ça, c'est une tâche un peu... simpliste que tout le monde peut faire, même vous j'en suis sûr. Et puis voilà, je vais aussi parler de plusieurs petites choses, donc le transport de sucre de Metz jusqu'à My Name Transinet. Oh allez, c'est raisonnable. Voilà, hop hop hop. Allez mon petit.
Travers tout ça, ouais. À découvrir chez votre opticien Adol. Les branches de vos lunettes se déclipent, se changent. Hop, hop, hop. Parce que nous avons tant de choses. Hop, 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 hop. Et hop. Allez. On va partir pour 232 km, c'est pas tout, mais ça fait quand même un petit voyage. Sur la carte, ça paraît pas compliqué, mais bon, il y a des tortillons, des virages, tout ça. Donc on aura le temps de parler, de discuter tout ça entre nous. Voilà, alors déjà, on m'a demandé une dédicace. Je ferai cette dédicace. Mais faut pas que ça devienne une habitude parce que c'est pas mon. C'est pas ma marque de fabrique. Je ferai une dédicace de temps en temps si vous voulez. Mais voilà, donc c'est Esteban Varlan qui m'a demandé dédicace au nom de Zephyr. Donc dédicace à Zephyr. Donc XX Zephyr XX. Donc je vais dire Zephyr. Et puis c'est tout. Voilà, donc dédicace à lui. J'ai eu aussi Baptiste Doyen qui m'a fait la remarque de la prononciation. Du Renault, pas du premium mais de l'autre. Donc c'est pas Magnum mais bien Magnum. Oui, ça peut paraître bizarre, c'est la glace. Merci à lui de me l'avoir dit. J'ai une petite pensée pour toi. Donc on y va. Allez, hop, on va dire Makaki. Ça passe pas. Fuck la police. Il y a personne, c'est bizarre. Voilà. Les routes sont vides. What the fuck? What is the fuck? C'est le désert. Ah oui, c'est bon, il y a les premières voitures. J'ai bien eu peur que les voitures aient été désactivées. Et voilà, donc ça c'est dit. Donc il y a aussi, j'ai eu un commentaire de Kylian de Carolis. Vas-tu mettre des mods de temps en temps? Oui, pourquoi pas, je mettrai des mods de temps en temps. C'est une très bonne idée de sa part. Mais lesquels, ça je vous laisse les dire en commentaire. Voilà, j'ai eu aussi une autre question de F11985. Donc sûrement un code postal, je sais pas. Vous avez quoi comme ordi? Alors mon ordinateur, qu'est-ce que c'est? C'est déjà savoir, c'est un ordinateur que j'ai fait moi-même. Je l'ai conçu moi-même. Voilà. Ça c'est dit, ça c'est fait. Donc j'ai un processeur 2,4 GHz dual core, une carte mère PCI Express, carte graphique que j'ai changé il y a pas longtemps, 1 giga de RAM qu'elle marche très bien, 1 giga, oui, 1 giga de RAM qui marche très très bien. Voilà, Mindheim. Ensuite j'ai 2 giga de RAM et je fais tourner Euro Truck. Oui, ça paraît très bizarre, mais bon, je le fais. Question de disque dur, j'ai un petit disque dur de 180 Go, mais j'ai eu un disque dur externe de 500 Go où je stocke toutes mes vidéos et tous mes fichiers. Voilà. Et puis voilà, donc les petits lags de d'habitude, ça va passer. Puis voilà, voilà. J'ai quoi d'autre? C'est tout. C'est tout, c'est tout. Bon. Bah nous sommes partis les amis sous un lever de soleil, il est 6h29 in-game, on laisse passer cette voiture et on va doubler toute cette file de camions. J'ai pas envie de ralentir parce que déjà qu'il met longtemps à accélérer. Allez, hop. Moi j'ai pas du temps à perdre, chaque minute c'est de l'argent perdu. Alors là j'ai bloqué à combien, je sais pas, je vois pas. Ça par contre c'est très très mal fait. Très 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 mal fait. Ah bah péage, voilà. Le petit péage. Donc on va parler maintenant du DLC, du DLC que SCS Software nous a fait paraître sur leur blog consacré à tous leurs jeux. Donc ce DLC, il y aura le reste de la Pologne. Il y aura l'intégration de la Slovaquie. Il y aura une partie de la Hongrie, dont Budapest et Debrecen. Je sais pas comment ça se prononce. Voilà. Il y aura aussi des bugs réglés. Il y aura aussi plus d'objets, dont de nouveaux objets. Et il y aura des améliorations de la forêt. Donc des forêts, donc ce sera des forêts plus grandes, de plus grande densité.
Voilà, en gros, c'est ce qu'il y aura dans ce DLC avec magnifique screenshot que vous pouvez aller voir sur le blog. Voilà. Ce DLC, à quel prix? Oui, il y aura un prix, il n'est pas gratuit. Alors, c'est pas le site qui l'a dit. Enfin, je sais pas si c'est le site qui l'a dit. Moi, je l'ai lu dans les commentaires. Apparemment, il serait à 10 euros. 10 euros alors qu'on achète le jeu 30 euros. Certes, c'est une très bonne qualité. Le jeu est formidable. Mais 10 euros, je pense. J'ai pas trop d'avis. En fait, c'est quand même assez bizarre. Enfin, après, voilà. Mais 10 euros, je pense que c'est quand même. Un peu cher pour un DLC pour Euro Truck, vu que le jeu d'origine coûte 30 euros quoi. C'est un tiers du prix pour un DLC qui rajoute une partie de le reste de la Pologne et de et quelques petits réglages. Enfin, petit réglage quand même, il y aura de nouvelles routes. Mais voilà, je pense que à moins qu'il y ait plus de contenu, s'il y a plus de contenu, les 10 euros les valeront. Mais là, sur ce que j'ai lu, franchement. Je pense pas que les 10 euros les vaut. Bien évidemment, j'essaierai de prendre ce DLC, de l'acheter. Là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, en fait, là, on va passer sur des petites routes. Donc, on va faire 140 bornes sur des petites routes. Ouais. Si vous voulez. Hein. Ouais, donc ce DLC, je suis très content qu'il fasse un DLC. Je l'attendais depuis longtemps. Enfin, je me demandais. En fait, j'ai été surpris parce que et content à la fois parce que je me disais pas qu'ils allaient faire un DLC, mais qu'ils allaient rester dans les vulgaires mises à jour qu'ils font habituellement. Mais bon, c'est très génial, c'est génial hein, parce que ce jeu en fait va prendre de l'ampleur. Hein. C'est juste épique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Excusez-moi si vous entendez des bruits parce que ce casque micro entend beaucoup les bruits extérieurs. C'est ça qui est un peu gênant. Donc j'ai essayé. J'ai essayé de régler le microphone, mais je pense qu'en en réglant un peu mieux, j'arriverai à faire quelque chose d'assez convenable. Vu que le son du micro est assez bien, on ne m'entend pas zedoter. Donc ça, c'est cool. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, comme je vous ai dit. Je lis tous vos commentaires, excusez-moi, je regardais ma petite fiche. Je lis tous vos commentaires qui me font extrêmement plaisir. J'ai plein de messages de soutien, je vais pas les lire, mais voilà. Pareil, on m'a publié des commentaires sur la chaîne, je les lis aussi, je lis absolument tout. Quand je dis tout, c'est tout. Voilà, c'est dit, c'est fait. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. N'ayez pas peur, allez-y. Et puis voilà. Comme je suis en seconde, mon année scolaire va bientôt s'achever. Elle va se terminer dans la. Allez. Le 14, je pense que j'ai fini. Parce qu'évidemment, il y a le paperasse, tout ça. Donc le 14 juin j'ai fini, donc après c'est une multitude de vidéos en mode Yamakaki, du Funland complètement guaker, ça va y aller, ça va faire plaisir, ça va vous faire plaisir, et puis voilà. Donc nous sommes dans un paysage assez joli malgré des virages, donc on va prendre encore plus longtemps pour arriver, malgré qu'il reste que 100 km, donc c'est pratiquement fini, vu que moi dans ma partie perso je fais des 2000 km. Et donc ça paraît très très court. Mais en fait c'est pas si court que ça. Puisque ça fait quand même. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Tu vas doubler quoi? Tu vas doubler le vent. Mais regardez-moi ça. L'autre est double vent. Et bah tu peux toujours accélérer mon pauvre. Comme moi j'ai pas le camion pour doubler hein, donc je vais rester comme ça. Donc je pense qu'on va faire une petite ah oui, on va faire une petite personnalisation du camion. Ça sera assez cool. Petite personnalisation du camion, histoire d'avoir un camion plus casse, se sentir plus à l'aise dedans. Et puis voilà, c'est tout. On va pas en demander plus. Donc, ah oui, faut que j'essaye de savoir si c'est vrai ce qu'on dit, là, que le multijoueur sera intégré à la 1.4, dans la mise à jour 1.4.
Donc ça serait complètement génial et on pourrait pas rêver mieux. Voilà, c'est dit. Alors, excusez-moi, dans l'épisode précédent, il y avait une partie où c'était tout noir. Je suis complètement désolé, c'était pas prévu, c'était au rendu, ça a complètement foiré. Voilà, c'est tout. Et puis voilà. Oh oui, je vais passer aussi à Sony Vegas 12 parce que là j'ai le 11. Donc je me perfectionne de jour en jour. Et tout ça grâce à vous. Ça fait extrêmement plaisir. Ah oui, j'ai aussi remarqué un truc complètement fou. Beaucoup de complètement dans ma phrase. Étrange. Enfin bref. Voilà. Il y a une semaine, je fêtais les 300 abonnés. Enfin, deux semaines, allez. Une semaine, hein. Je fêtais les 300 abonnés. Et là, nous sommes pratiquement déjà à 340 en espace d'une semaine. C'est génial, quoi. Franchement, je vous dis un grand merci. C'est juste énorme ce qui m'arrive. Pas en termes de nombre d'abonnés. Enfin, si. Mais en termes de... De popularité. Le nombre d'abonnés a triplé. C'est un truc affreux, quoi. Je suis choqué. Bon, lui, il devrait avancer parce que... Ah non, mais il y a un tournant. Je l'avais pas vu. Allez, Makai. Allez, Makai. Allez, avance. Allez, donne l'envie. Oui, oui, il accélère. Allez, allez. Je crois qu'on va opter pour un nouveau moteur. Il y a des limites à tout. Il y a des limites à tout, sans déconner. Allez, accélère. Tu peux le faire. Je suis sûr que tu peux le faire. On dépasse les 50. Allez, allez. Faut pas déconner, la prochaine fois, à la fin de cette vidéo, on change le moteur. Parce qu'on est obligé, c'est comme ça. C'est pour mon intégrité physique, mon mental. Parce que là, je vais complètement craquer. Regardez, on a 40 à l'heure. On a 40 à l'heure. Regardez, on va me doubler. On me double. Je n'accepte pas ça. Oh, je plaisante. Ah, bordel. Pas bien beau, hein. On va peut-être mettre les phares. Oui, on m'a remercié d'avoir mis énergie. Mais de rien, ça me fait plaisir. C'est complètement gratuit. Ça fait extrêmement plaisir. Il reste 26 km à faire, 24 minutes. Je pense qu'on va faire un truc super bon. Un épisode parfait, vu que ça va durer entre 20 et 30 minutes. Ça a été assez rapide. Est-ce que c'est moi qui ai trouvé des choses à dire, donc du coup ça m'a paru plus court, ou c'est autre chose, je sais pas, mais en tout cas on est déjà arrivé à la ville. Voilà, main name. Enfin, s'ils veulent bien avancer, parce que bientôt on est à l'arrêt, hein. Donc ici il faut que je tourne. Donc là il y aura, ça va freiner, je le sens bien. Voilà, ça freine. Par contre, lui, il faudrait qu'il avance. Voilà, c'est bien mon cochon. Alors. Alors, vas-y. Vas-y, n'aie pas peur. Vas-y, tu peux accélérer. Non, mais on n'y arrivera jamais. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Non, tu veux pas? T'es méchant, hein. Hein, t'es méchant. Vas-y, tourne. Allez, tourne. Allez, y a personne.
Mais y'a personne. Mon dieu, elle tourne. Oh, je vais pas chercher à comprendre, moi. Te prendre la RSV, moi, tu vois. Pas chercher 4 ans. Tu veux pas passer, moi je passe. Voilà. Vous n'avez rien vu, les amis. Un petit incident. Cette voiture n'a pas voulu tourner. Vu qu'elle avait 4 fois le. Je lui ai laissé la chance. Vous avez vu, je lui ai laissé la chance. J'ai été patient. Mais à un moment donné, je peux pas. Je peux pas, c'est tout. Je craque psychologiquement. Je peux pas. Je suis obligé. Je vais pas attendre 4000 ans au même endroit alors qu'on peut tourner, on peut tourner 4 fois, c'est lié. C'est lié qui est complètement cheaté. Limité à 70 km/h, ça tombe bien, je suis à 70. Voilà. My name découverte. Et ben voilà, l'épisode va bientôt s'achever en votre compagnie. On va garer notre petite remorque et puis voilà. Faut freiner là, faut freiner. Voilà, parfait. Allez, hop, on accélère. Bon, on va enlever les phares parce que là, quand même, il fait assez jour. Il y a des rayons de soleil. Enfin, des rayons de soleil. Ça fait comme chez moi, hein, des rayons de soleil. En fait, c'est le nuage. C'est le nuage blanc. C'est le nuage blanc de soleil. Et puis voilà. Wally Wallow. Menem est divisé en deux. Étrange. Jamais fait cette ville. Donc, j'ai dans ma partie perso. Et puis voilà. Hop hop hop. Oh, faut qu'on tourne là. Donc on tourne. Allez, hop. Hop 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 hop. On va se garer ici. Voilà, en mode concentration, c'est affreux quoi, je suis concentré. Voilà, vous voyez, là, c'est la faillite. Toutes les infos sur LewisFireTour.fr. Le Reebok LewisFireTour dans toute la France, du 4 mai au 1er juin, un événement énergie. KAB, coucou, c'est votre coach Kiabi. Les mamans, j'ai la super bonne nouvelle de l'été. Kiabi facilite la mode avec des... Allez. ...du 3 ou 12 ans à seulement 5,99€. Oui, 5,99€. Un combi short au moins, aussi un... On s'y gare en plusieurs fois, mais au moins, on se gare correctement. On se gare correctement. Du moins j'essaye. En plus, je crois qu'ils ont des offres intéressantes sur la climatisation. Chez Peugeot, pas de compromis entre la qualité et le prix. Voilà. Là, je pense qu'on est bien embriqué. Diagnostiqué et réalisé. Et grâce au forfait expert Peugeot, la recharge de la climatisation est à seulement 59€. Voilà. Hop. Nous avons notre petite mission très rapide, 234 km. Nous avons livré du sucre de Metz à Mainheim. Voilà, on s'est fait toujours niveau 4 néophyte. On s'est fait 5000€ hein, quand même pour cette petite mission. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller changer notre moteur assez rapidement. Et puis après, on se laissera sur ça. Et puis voilà. Allez. Attendez, on va faire un nouveau matériel. Magasin plus proche. Pourquoi il nous montre ce chemin là? On va prendre ce chemin là. Ok. Allez, on est sûrement qu'il n'y ait pas de voiture. Tranquille la voiture, hein.
Ça passe. Ah putain, c'est pas possible. Vas-y, passe. Tu vas me faire comme l'autre. Tu me laisses passer, t'es gentil. Allez, toi aussi, tu me laisses passer. Ah là 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 là. Enlève-moi ça. Voilà. Ouah, c'est roux. Qu'est-ce que j'aime pas rouler en ville? C'est affreux. Affreux, j'aime pas rouler en ville, c'est tout. Regardez notre petit camion. Ah, j'ai oublié de faire la petite photo. Bah, la photo là, elle va y être. Elle sera belle, toute belle. Regardez, 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 regardez. Oh non, c'est raté par un camion. On va l'en faire. Allez, hop. Voilà. Oui, non, oui, oui, oui. Intérieur, parfait. Allez, hop, 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 hop. Hop, et là, tout droit jusqu'au fond. On a bien fait de passer par ici parce que j'allais me tromper et j'allais passer dessous. Et j'aurais eu l'air assez con. Oui. Voilà, donc allez, un peu on accélère et puis voilà. Brom, brom, allez, hop. Voilà, en mode BG attitude. C'est la BG attitude, c'est tout, c'est comme ça. Nous sommes arrivés au petit matériel. Donc déjà, on va réparer ce qui est de cassé. Donc les roues sont un peu cassées et puis voilà. Magasin amélioration. Ça on peut pas débloquer. On peut pas débloquer. Ah, niveau 10 pour le prochain moteur. Ok. Donc on a déjà mis ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Oh, la petite plaque. Petite plaque. Et puis voilà. Nikosov. On peut mettre que ça pour l'instant. Oh, pourquoi pas ça? Complètement craqué. Non, on va rien mettre. Allez les amis, je vais vous laisser ici. Voulez-vous non, confirmer la commande. Voilà. Du coup, on a notre plaque qui se trouve ici. Bon voilà les amis, je vais vous laisser ici. Du coup j'ai mis la barre en bas. Bon c'est pas grave, on rajoutera des choses par la suite. Puis voilà, ça fait un petit jeu. Ça fait joli, allez, on va dire que c'est ça. Bon allez les amis, c'était Nikosov pour la vidéo routine numéro 7. Je vous laisse, allez, bye bye. Likez cette vidéo, c'est très important. Commentez, dites votre avis. Parlez des mods, parlez de quelque chose. Dites quelque chose, me remerciez, tout ce que vous voulez. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, aimez. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, mettez un j'aime. Et sinon, abonnez-vous. C'est gratuit.